Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens de recevoir un petit colis. Théoriquement, c'est le modérateur de son, le frère. Oh, faut que je regarde le nom. C'est un nom qui est assez spécifique. Alors, on va déballer ça ensemble. C'est quoi de ça? Hop. Voilà, c'est bien ça. Alors, c'est le frère, je pense que ça se prononce comme ça, frère Edevic. Un petit modérateur de son 22 LR. Le FW88 en 1,5 par 20. Une petite boîte originale. Si je sais comment que ça va s'ouvrir, ça sera déjà pas mal. Ça, c'est le joie des déballages. Ah, j'aime bien moi faire des petits tests sur des petits matériels comme ça. Alors voilà. Oh, un bon petit modérateur bien mimi. Voilà. Là à quoi ça ressemble. Apparemment, il réduit bien le son à plus de 30, 35 décibels. Donc, on verra bien. Apparemment, il est démontable. Ouais, voyez, ça se dévisse. On va voir comment que c'est foutu en intérieur. Voilà. Comment que c'est foutu ça à l'intérieur? Ça démonte. Bon, apparemment non. Regardez. Alors si ça se démonte, je sais pas comment que ça se démonte. Ça se pousse peut-être, je sais pas. Ah oui. Faut bien pousser. Bien pousser sur le cul de la bête. Oh, ça doit être assez chiant. Quand même. Un nettoyer. Voilà. Ouais, parce que c'est vraiment usiné. Oh bah c'est des petites chicanes. Voilà. Oh bah il y a un joint. Le joint d'étanchéité. Un joint dans un modérateur de son. Ouais, pourquoi pas. Voilà. Il y en a un ici, un là. Nettoyage facile. Si on arrive à le démonter, bien sûr. Hop. Voilà. Il est remis au fond. Je vais revisser la bête. Enfin voilà, ce petit modérateur de son en 1,5 par 20. Alors je ferai des essais avec le sonomètre, voir ce que ça donne au niveau précision aussi. Bon, bah allez, bah, je vous dis à bientôt sur le terrain pour un futur essai de ce petit MDS. Allez, bye bye les gars! Bon, allez, aujourd'hui, on va tester, on va faire l'essai de ce petit modérateur de son frère Edevic. Il est tout mimi ce petit modérateur. On va voir ce que ça donne niveau sonorité. Parce qu'il est donné à 35 décibels de réduction, donc on verra bien. Moi je pense que ce n'est pas de la subsonique. Et avec la monocoque Monténégro, il y aura le sonomètre, bien sûr. Ah, puis il y a des varans, des petits lézards. Et elle sera montée d'une vieille lunette Tasco. Oh, oui, ça c'est une lunette de chasse. Hein.
Donc, le réticule, c'est juste un petit point avec une croix. Donc, c'est vraiment le basique. Donc, je vais faire un test. Je vais déjà voir où elle tape, cette carabine. Je crois que j'ai changé aussi la lunette et je ne l'ai jamais réglée. Faire le réglage déjà d'une et puis faire les tests avec le frère Edelic. Et j'essaierai avec le SAK. Avec le SAK et le style, voir les différences de bruit au niveau du son. Bon, bah allez les gars, je vous dis à tout de suite. Bon, bah allez, salut les gars. Allez, on va, avant de faire l'essai du petit modérateur, je vais vérifier le réglage de la Monténégro. Parce que je me souviens plus si je l'avais réglé. Alors, on est sur 50 mètres. J'ai vérifié le parallaxe. Ouais, c'est une bonne vieille lunette, ça. Je sais même plus. Elle fait du 32 fois. Moi, c'est une Tasco, c'est vraiment une vieille. J'ai acheté ça sur un site que vous connaissez bien. Le site des enchères. Alors, je vais essayer avec de la TAC 22. Ça veut dire que j'ai la TAC. C'est juste pour... Là aujourd'hui, c'est juste le test du sonomètre. Alors... C'est plus l'attaque. Et en même temps, j'ai pris le sonomètre. Pour le tachygraphe. J'ai du mal avec ça, moi. Hop. C'est mieux si c'est ouvert. Allez, on va voir où ça tape. En même temps, bah, j'ai foutu la caméra sur le sonomètre, sur la cible. Là, je suis vraiment un peu haut. Alors un peu haut, faut que je descende là. Je suis à 351 mètres secondes là. Alors, je suis un petit peu. Bah, c'est déjà mieux. On va remonter un petit peu. Deux petits clics. Oh, c'est vrai que ça s'éjecte. C'est pas 351. Je suis à droite, il faut que j'aille à gauche. Left. Ah bah aujourd'hui il fait bien beau et surtout il fait chaud. Ah, ça fait du bien ce temps-là. Bon, bah écoutez,
Combien de coups? 3 coups. 4 coups. On va essayer un autre tir, on va bien voir. Et bah, nickel. Bon, bah, c'est une bonne chose. Là, c'est réglé. Ça a été rapide. Bon, alors maintenant, on va faire les essais avec le modérateur. Il faut se cacher, il faut se cacher pour le modérateur. Alors ce petit modérateur de son, il fait 10 cm de long. 10 cm, 88 grammes. Alors, pour ainsi dire, il est très très léger. Par contre, ce qui me chagrine un petit peu, alors je ne sais pas avoir la ligne, c'est les petits joints toriques qu'ils ont mis à l'intérieur. Ouais, alors là. Ça, à mon avis, quand on va nettoyer le modérateur, ça va pas le faire. Bon, bah, comme je le dis et je le répète, alors, mes vidéos sont pas préparées. Je prépare juste d'avance le sujet, bien sûr. Autrement, généralement, j'arrive, j'improvise, je fais tout à l'arrache. Bon, j'espère qu'elle va pas être trop longue. Bon, allez, on va voir ce que ça donne. Alors, j'étais à 350 mètres secondes. On va voir ce que ça donne. Hein. Et... on va voir le son, mais ça vous le verrez avant moi, parce que moi je regarderai ça, je ferai le montage de la vidéo. On va voir surtout l'impact. Je me tire vachement en haut là. J'ai peut-être enlevé ça moi. Hop. En passant, j'ai très bien le petit casque de chez AliExpress là. Ah oui. Là, j'en ai. C'est un feu comme on a remonté le tir, nom de Dieu. Par contre, j'ai même pas regardé la vitesse, on a un imbécile. Puis là, je filme pas les vitesses. Hein. Il y a pratiquement 10 cm, 20 de Dieu, 10 cm d'écor. Wow. Je suis trop haut, faut que je descende. Donc, c'est du 8e de l'air. On va voir comme ça. On va m'amuser pour ramasser toutes les petites étuiles.
Il est pas brillant. Ça fait, bon, de son, on n'a pas le même son sur le téléphone. Ça fait un petit claquement, mais bon, c'est pas. Alors, je regarde il y a combien de décibels. Alors là, j'étais un peu haut encore. Hop, je vais descendre de 10 clics, on verra bien. J'ai descendu, je suis remonté. Pourquoi ça? Donc ça se fait, non? Descendre un peu. Tire quand même un peu, hein. Ouais. Je sais pas combien tu rehausses le mètre, mais je trouve qu'il claque. Secondes. Je vais tirer une petite série, là je termine les deux qui restent. Oh, ce qui est étonnant, c'est que c'est donné à 300. 330 mètres secondes, je crois, là. Oh, je vois. 300. Oh, putain, je vois pas. Si je mets pas mes lunettes, je vois pas. Ouais, il est à 330 mètres secondes, je suis à 350. Bon, maintenant on va essayer avec de la top shot. Ça tape. Ça tape plus haut quand même à top shot. Je
J'ai serré aussi ça dans la blazer, là où je viens de citer. Voir ça claque plus que les autres. C'est vrai qu'on entend plus l'impact. Bon, allez, on va essayer avec la blazer. Et surtout ça, je veux voir. Oh, ça claque. Mètres secondes. Le problème, c'est qu'on entend bien l'impact. Ouh. Mètres secondes. Pratiquement 400 mètres secondes. Alors là, j'ai carrément tiré hors cible, juste dans la terre, pour éviter d'entendre claquer sur la cible. Non, ça claque quand même. Ouais, ça claque quand même. Oh. Allez, on va arrêter avec le chronographe. Alors maintenant, je vais mettre le S-accord. Oh, le S-accord, il est beaucoup plus lourd, hein, moi, oui. Dans les centres. 130 ou 140 grammes, je sais plus. Bon, on va commencer avec la top shot. Là, ce coup-ci, je vais tirer que sur une cartouche. Ça fait un peu lourd, ouais. Non, on le sent, hein, sur le bout du canon, hein, le S-accord. Une petite carabine légère comme ça. Alors, je tire les points du bas.
Ah, j'ai l'impression qu'il est quand même moins, un peu plus bruyant, le frère. Ah, ouais. Non, la sonorité n'est pas du tout pareille. Je ne m'appuie pas trop hein, pour les tirs, hein. C'est juste pour. C'est juste comme ça, c'est juste pour tester le. Vérifier le son. Merci, là, mais pas. C'est une lunette de chasse, hein. C'est pas une lunette de tir. Hein. Ah non, le son, il est quand même plus atténué avec le SAK. Ouais. Voilà, je vais essayer avec de l'attaque 22. Avec le sac. Avec le S5, le coup est plus étouffé. Bon, allez, avec de la blazer, de la CCI. C'est l'impact qui tient bien quand même. Bon, c'est pas des groupements de ouf, mais bon, ils sont pas trop bien non plus.
Bon, voilà. On va mettre le style. Même endroit pour être là. Voilà, le style est mis. Alors, on va essayer avec le top shot. Moi j'adore, oui. J'adore les 22. Tiens, panel de 22. Bon, on va voir où ça tape. Je pense que ça risque de taper aussi un peu bas. Alors, c'est le troisième point. Voilà. Encore plus silencieux. Quand même que le frère et David là, il est beaucoup. C'est beaucoup plus de bruit. C'est pareil le style, hein, le style est pas mal. Hein. Il aurait du bien son. Hein. Pour le tarif, honnêtement.
Bonjour. Bonjour. Je vous dérange. J'ai trouvé ça sur la route tout de suite. Je ne sais pas si c'est dangereux ou quoi, mais... merci bien. Voilà. Je peux faire juste un peu même votre entrée. Ah oui, bah écoutez... Ça vient sur la route, des fois, un pneu ou quoi que ce soit, je préfère... Ouais, ça a été percuté. Donc, c'est ça le point qu'on voit en dessous, hein. Ouais, c'était légèrement percuté, là, elle n'est pas partie. Non, bah écoutez, bah merci. Je préfère par sécurité. Voilà, bah, écoutez, si vous êtes aussi sensé, voilà. Voilà, merci bien. De rien, bonjour, monsieur. À vous aussi. Avec le modérateur de son style, ça passe plutôt pas mal. Hein. Bon, ben voilà ben les essais de ce modérateur. Ben, je vérifierai, c'est que j'ai pas la vue sur le sonomètre. Je vérifierai ça. Eh bien, écoutez, sur ceci, messieurs, dames, je vous dis à tout bientôt, à tout vite. Puis comme d'habitude, moi c'est des vidéos qui durent 20 plombes. Hein. Oui, j'arrive pas à les réduire. Alors, faut... Il va falloir ça la coupe. Bon, bah allez sur ce, je vous dis à tout vite, à tout bientôt. Allez, bye bye les gars.